Derrière moi, vous pouvez voir une manifestation d'art public qui se promène aux quatre coins du monde, appelée The Red Ball, le ballon rouge. Que certaines personnes ayant regardé le ballon trop longtemps, certaines sont devenues fous furieux, alors que d'autres sont devenues follement amoureux. Qu'est-ce à dire? La réponse à cette question va vous surprendre. La réponse à cette question est peut-être dans l'origine du ballon. Un objet, regardez-moi bien, Made in China. C'est connu, l'empire du milieu cherche à dominer le monde. Et sous des dehors de manifestations bon enfant, on est devant une entreprise, disons-le vraiment, de lavage de cerveau, si cerveau il y a. Ce n'est pas pour rien que la CIA et la NSC, deux entreprises d'espionnage américaines qui passent leur temps à nous espionner, nous préviennent de ne pas regarder le dit objet trop longtemps, sous peine de devenir communiste. On recommande particulièrement, après chaque visionnement, chaque visite au ballon, de regarder le double, j'ai bien dit le double, regardez-moi, le double du temps, un billet de banque pour se désintoxiquer et devenir un bon capitaliste. Ici mon oncle, il a parlé directement du parterre des spectacles à Montréal.